Oui, chef, bonsoir. C'est avec plaisir nous rentrer la caillou pour émission ça, le nouveau numéro de Pulsation Magazine, émission qui allait plus loin que l'actualité. Alors, je me tape dit tout à l'heure, je vais recevoir Dr Jean Fils-Aimé, auteur de un ouvrage sur les pratiques religieuses, je suis capable de dire comme ça, 200 ans de zombification massive. Les églises évangéliques en Haïti, le temps des bilans. Docteur Fils-Aimé, bonsoir et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci Dodley de m'inviter, cela me fait plaisir d'être à ton micro aujourd'hui. Oui, alors, vous avez évolué au Canada depuis une bonne trentaine d'années, c'est ça? Oui, tout à donc, fait. Donc, le public là n'est pas trop habitué avec les personnages. Afonti Campbell pour nous, qui est Docteur Jean Fils-Aimé? Alors, moi-même, c'est un Haïtien qui fait au Cap, et qui grandit au Cap jusqu'à ce que je parti après que je fin fait philo, je parti et aller au Canada pour me étudier. Je suis arrivé au Canada, première étude que je fais au pluriel, c'est en communication d'une part et en théologie. Et à la suite de études, moi en théologie, je suis devenu pasteur. Et je me suis contenté moins de gagner seulement en formation biblique, puisque la Bible, c'est un ensemble de livres que, pour expliquer à la lumière de contexte historique, contexte culturel, de référent culturel. C'est ainsi donc l'homme qui fait baccalauréat en théologie à l'Université Acadia, mal complété en maîtrise dans l'histoire médiévale à l'Université McGill. Le fin étudiant en histoire à l'Université McGill, mal fait des études en psychologie à l'Université du Québec à Montréal, avec une scolarité de doctorat. L'homme fini là, me retournait pour me capable faire un doctorat en philosophie de la religion, côté que dans un premier temps, il m'était proposé tête point pour me spécialiser moins sous Heidegger, qui sont philosophes allemands, même j'en connais. À la faveur d'un voyage en Haïti, côté que un collègue moins, un anglais, du nom de Colin Butcher, t'es dit moins, pour qui ça m'a décidé de faire thèse de doctorat sur un allemand qui n'a rien à voir avec moi. Pour qui ça m'a fait recherche moi plutôt sur le bagage qui a l'utile pays de recevoir l'itin pour un gifle. C'est ainsi donc que, au détour d'un voyage. Un gifle qui patine vraiment. Puisque, au fond, l'ULT dit l'âme, c'est pour pouvoir être plus teinté de un petit peu de racisme. Vous, les Noirs, toujours m'intéresser nous à bagage l'autre peuple, tandis que nous avons fait des choses qui sont utiles pour le peuple. Donc. Alors, c'est dans ce sens que je me dis son gifle. Parce que ce n'est pas parce que je suis noir que je ne suis pas intéressé à d'autres peuples, à l'histoire d'autres continents. Et alors là, au détour d'un voyage qui t'a ramené moins de Haïti vers Canada, nous faisons escale à Miami. Et puisque l'escale a duré 6 heures, je prends un taxi, m'acheter dans le Little Haiti. Tout livre que je trouvais disponible sur Haïti. Et c'est la première fois que je vais lire mes deux premiers ouvrages sur le vaudou. Il y en a qui est écrit par Alfred Metro, le vaudou haïtien. Il y en a l'autre qui est écrit par un théologien, socio-ethnologue, mon ami le docteur Lainec Urbon, qui c'est Dieu dans le vaudou haïtien. Sur le vol, je suis tellement enthousiasmé à l'idée de découvrir qui s'acquit dans le livre, ça, même si je me dépeux, parce que pasteur conservateur. Alors, c'est justement ça, m'a parlé, parce que c'est vrai, ou c'est un universitaire, donc on a l'esprit qui lâche, qui est ouvert sur tout sujet, mais le pasteur que vous êtes, et qui, plusieurs sujets que vous choisissez, vous avez un rapport avec la religion, justement. Absolument. Et voilà, maintenant que vous allez retrouver avec des ouvrages, entre guillemets, qui t'a interdit aux religieux. Et, ou, question tellement pertinente, parce que c'est comme ça que je me ressentis tout, c'est comme ça que je me formé dans ces pour me ressentir. Même un petit peu hardi, quoique tu es interdit autour de lire livre sous vaudou, sous vol là quand même, lire. Et puis, côté me descend en avion, je connais que sujet de recherche moi choisi. Mal McGill, côté que je suis étudiant au doctorat en philosophie de la religion, même j'aime d'abdi sous Heidegger, je suis directeur de thèse, moi ça ne m'intéresse plus, je veux changer de sujet. Je voulais écrire thèse, moi, doctorat, moi, sous vaudou haïtien. Et notez que je fais maîtrise moins sous, en histoire médiévale sous deux géants de la Renaissance finissante, on nous dit le conseil. L'un c'est Erasme de Rotterdam, l'autre là c'est sous Martin Luther, qui c'est le père de la réforme protestante, sous qui n'a pas le tourné.
Et donc, puisque pas de un spécialiste du vaudou à McGill, il a transféré dans l'autre université, à l'Université de Montréal, côté que tu as un jeune, brillant théologien qui est à la fois physicien et psychanalyste, qui lit même tout, quoique c'est un Québécois de race blanche, t'es fait thèse de doctorat, soit fait parler en langue dans le vaudou. Il t'est dirigé thèse, moi. Et pendant donc 7 ans, je lis tout ça qui est disponible dans l'Université de Montréal, tout ça qui est disponible à l'Université Princeton, qui t'est gagné et qui gagne jusque-là le plus grand rayon sous littérature, culture haïtienne à l'étranger. Et pendant ça, tout, je fais moult voyages en Haïti, discuter avec Lainec Urbon, discuter avec Charles Poisset-Romain, discuter avec Ungan, il y en a aussi l'ancien Attila qui mourit, le très. Enfin, Max. Beauvoir, Max Beauvoir, pour me mettre à pareillage contextuel, moi, mal dans l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Au-delà de rencontres avec des adeptes ou bien des dirigeants et de religion et vaudouan, est-ce que vous avez fait des expériences, par exemple, dans des péristyles? Oui, bien sûr. Regarder comment pratiquer. Oui, assister à plusieurs cérémonies vaudou, même pas initié. Mais pendant pas assister à qui ça, l'esprit pasteur qui est la caillou, qui ça le dit? Non, ça le dit moi, c'est que c'est le chercheur en moi. C'est-à-dire, c'est pas le pasteur, le baptiste qui a gardé comme quelque chose d'étranger. On va craindre tout, par exemple, bon, c'est vrai qu'on va évoluer dans le milieu, hein? On va craindre pour des gens qui connaissent comme pasteur, et puis qui vont rentrer dans le pays ici, le cœur va dire, bon, et M. Vin Haïti, là, vient pas son petit leçon. Hein? Oui, oui, il était commencé à dire, mais nous pas de peur ça, puisque très rapidement, je découvris que je t'ai appelé, je t'ai baillé tête moins pour mission de d'être un chercheur universitaire, et puisque je me décidé d'écrire sur vaudou, forme d'aller dans péristyle, forme d'aller dans des ongans, forme de lire sur yo, forme de temps des propres lectures yo de ça. Bref, pendant une dizaine d'années, fait des recherches massives, que ce soit en lisant ou bien en m'impliquant, en assistant à des cérémonies vaudou en Haïti, à l'étranger aussi, qui vient faire que soutenir une thèse de doctorat en 2003 à l'Université de Montréal sur rapport entre le christianisme et le vaudou haïtien. Et m'te combiné 3 grilles de lecture dans le cadre conceptuel. Moi, d'abord, on grille en histoire. Un historien, on reprend toute histoire, rencontre le christianisme avec vaudou à Saint-Domingue de 1503 jusqu'à Jean-Bertrand Aristide, techniquement. Deuxième grille combinée, c'est la grille de l'anthropologie culturelle, puisque même Jean Price Mars dit vaudou, c'est le ciment de la culture haïtienne. Donc, il faut comprendre qui rôle vaudou jouer dans la culture haïtienne. Et troisièmement, combiner forcément la grille de la théologie, puisque j'ai soutenu ma thèse dans une faculté de théologie. Et là, lorsque me finit mes histoires rencontre entre vaudou et christianisme, un rapport houleux, un rapport combatif du côté chrétien, tant du côté catholique que du côté protestant, l'homme fin montré, et pourtant, vaudou en ces ciments culturels, nous, pour qui ça alors, monsieur théologien haïtien, on a approché sous vaudou, malgré le fait que reconnaître que vaudou c'est ciment culture haïtienne, mais chaque temps qu'on a approché vaudou, il a approché tant qu'on bagaille antithétique pour combattre, pour rejeter. Et me fait démonstration que ça participait de manœuvre de néocolonisation, manœuvre d'aliénation qui mise en place d'ailleurs, qui pourra le renforcer, qui mise en place depuis avant l'indépendance, mais qui pourra le renforcer du côté protestant avec l'occupation américaine de 1915, etc. Et puis montrer que non, il n'y a pas, théologiquement parlant, d'incompatibilité entre foi chrétienne et vaudou. Les religions ne se battent pas. C'est moun qui leur comprendre non certaine manière décider combattre l'autre là. Et thèse moyenne est très bien reçue à l'université, il fait partie du tableau d'honneur du doyen de l'université. Et très rapidement, même Jean Grand d'université au fait, lors de soutenir thèse de doctorat, il a invité certains éditeurs. Le jour même de ma soutenance, j'ai eu une offre pour me déthéser livre thèse là pour me publier. Et Mbap Jambliye, deux conseils que deux grands érudits haïtiens, t'es ben moi,
yon, enfin trois. Yon c'est là il n'est que bon qui le fin de thèse il dit ah si vous publiez bah ça monsieur pasteur vous pouvez le mettre au dehors. Deuxième conseil c'est de la part d'un pasteur protestant lui-même Charles Poisset Romain qui sont érudits en sommité qui dit lui-même ethnologue sociologue du protestantisme haïtien qui dit ah thèse ça ou qu'on n'a pas qu'à publier le parce que si vous publiez ça pourrait créer problème oui son thèse mais quittez le niveau universitaire. Et troisième non c'est le très regretté pasteur Fritz Fontus, qui te dit au contraire, c'est une thèse qui vaut la peine d'être publiée, même si nous pas d'accord, parce que dans la thèse même critiqué œuvre Fritz Fontus, même j'aime critiquer œuvre Mario Valsin, qui est ancien pasteur, moi j'aime critiquer œuvre tout, quoique beaucoup plus proche de lui, du docteur Jules Casséus, anciennement doyen et fondateur de l'Université chrétienne du Nord d'Haïti. Donc, depuis le SAA, publié 8 livres, dont deux, enfin deux plus deux en Europe. Et il y en a un premier livre là, c'est Vaudou, je me souviens, le combat d'une culture pour sa survie, et montrer comment que la posture du protestantisme vis-à-vis du vaudou, c'est déjà une façon d'aliéner l'haïtien, de vider de identité. Et comment expliquer ça? Oui, bien, comment expliquer ça? Parce que en missiologie, c'est domaine dans la théologie qui intéressait lui à quelle manière que on doit présenter l'évangile à un peuple. Et c'est bien établi en missiologie que l'on va présenter l'évangile à un peuple ou présenter lui dans les catégories mentales de ce peuple, dans les catégories épistémiques de ce peuple, dans les catégories culturelles de ce peuple. C'est comme ça qu'on fait. Américains, leur présenter l'évangile, leur présenter la mentalité, les catégories épistémiques que le comprennent. Mais c'est seul nous-mêmes qui leur présentons l'évangile, leur demandons pour renoncer à tête ou soit pour venir européen jusqu'en 1915, c'était consulté, soit pour venir américain depuis 1915. En sorte que, même Jean-Louis-Joseph Janvier était dit, qu'on le veut ou non, le christianisme nous a désappris à être haïtiens. Et depuis le SAM, versé moins dans domaine recherche ou religion, si bien que nous sommes experts reconnus sous question rencontre entre théologie ou bien religion et foi. Même pas campé là, poursuivre études moi-même, faire une deuxième maîtrise en public management. Moi-même, en maîtrise spécialisée dans le management interculturel et m'en phase pour un deuxième doctorat en gestion. Côté que m'intéresser moins à faire management culturel. Donc, ouais, à faire culture là, que ce soit culture sous l'angle religieux, culture sous l'angle des affaires, lit toujours là. Et dernier livre, moi, c'est 200 ans de zombification massive. Et c'est de lire justement, voilà. On va parler qui mène là. Qui mène et là, avant oui. D'arriver dans 200 ans de zombification massive, là, thème là, d'ailleurs, il est interpellé, moi, on va l'expliquer et puis devant. Avant d'arriver là, qui genre d'activité au-delà? Est-ce que, au pasteur, ou est-ce qu'on gagne des fidèles ou gagne l'église? Qui? Non, depuis 2007, me rendant à l'évidence que je m'étais pressenti d'ailleurs, que j'étais toujours dans chirépite avec l'église pour expliquer que non, c'est pas parce que je suis vaudouologue, hein, je suis expert du vaudou, m'écrit au moins 4 ou 5 ouvrages sur ça, qui t'a va rendre moins, pour ainsi dire, impropre au ministère pastoral. Mais chaque temps pour répondre, et puis bon, la paix est importante. En qui sens, rencontre avec le monde du vaudou et changer et vision, bien conception de l'évangile. Là, oui. Je me rends compte que 9 fois sur 10, les pasteurs protestants ne comprennent pas l'évangile parce qu'ils présentent l'évangile tant qu'on a l'autre culture qui doit jeter culture pour là. Alors que l'évangile, à proprement compris, c'est la bonne nouvelle d'un Dieu d'amour qui vient dire à tout peuple, y compris à nous-mêmes, que je n'ai pas gagné contre nous, au contraire, je m'aime nous. Et ça me voulait, c'est que nous bien. Ça me voulait, c'est que nous épanouir nous. Ça me voulait, c'est que nous heureux. Et bon Dieu, ça a pas qu'à gagner pour mission, sous prétexte que la vie de prêcher l'évangile, pour me renoncer à tête point. Or, c'est ainsi, malheureusement, que représenter l'évangile en Haïti, c'est ou bien ou dans l'évangile, donc
ou fuit ou renoncer à mounouye, gon expression très typique du protestant haïtien, li rentre dans protestant, li rentre dans l'évangile, li rentre dans Jésus. Qui l'ont rentré dans bagage, c'est lorsque on fuit l'autre bagage. Qui l'ont rentré dans bagage, c'est lorsque on peut y en danger. Et puis de plus en plus convaincu que ça y aurait les protestantisme non, son instrument qui était dans main en premier temps européen mais qui vient dans main américain pour continuer coloniser nous, pour continuer contrôler mind nous, contrôler esprit nous de manière à ce que nous pas jamais propre tête pas nous. Ça que Jean Price relait le bovarisme, son rejet de tout ça pour préférer ça que sorti l'autre bord de l'eau. Et c'est dans perspective ça justement que me profiter de prétexte de la date commode d'anniversaire. Enfin, anniversaire son mot parce que techniquement le protestantisme rentré au pays avant juillet 1816, mais puisque c'est la date commode que monsieur protestant a été choisi pour faire bruit pour péter les bretelles, dit bon profiter de ça pour m'écouter livre bilan assez provocateur d'ailleurs. Côté que me rappeler yo qui ça qui église évangélique qui pas un terme univoque d'ailleurs qui plurivoque, me rappeler yo que yo issu de réforme donc qui ça réformier, me rappeler dans qui contexte que protestantisme rentre en Haïti et diverses périodes parce qu'il y a une périodisation à faire dans l'histoire protestantisme. Et puis me terminer par un bilan puisqu'on lit le livre là, comment me faire bilan hein? De manière très pédagogique, on choisit 10 thèmes. Le thème de la théologie, le discours des églises évangéliques gagné sur Dieu, donc le rapport à l'être transcendant. On choisit le thème de l'anthropologie, qui discours protestant véhiculé sous l'homme. Hein, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, ce qui renforce notre méfiance vis-à-vis de l'autre. Le discours que protestant gagne sur le rapport à l'espace. Pigo bénédiction protestant haïtien qui a vécu ici a choix a cherché jodia, c'est que bon Dieu ballon visa pour le quitter pays a, ce qui induit que côté la vive là pas béni. D'ailleurs, grand pile protestant qui croit que si tremblement de terre est arrivé en 2010, c'est parce que nous maudit, ce qui est terriblement faux. Me parler aussi de la gestion de l'église, me parler aussi du rapport à l'argent, du rapport à la sexualité qui pas banal parce que Freud te dit li ou pas capable d'équilibrer si ou pas gain un rapport sain à la sexualité. Or c'est pas du tout le cas dans les églises évangéliques. Et puis pour me conclure que l'histoire des églises protestantes en Haïti, il marqué au coin de l'aliénation, il marqué au coin de samré les zombifications qui sont synonymes, il marqué au coin de la déresponsabilisation. Lorsque ton chrétien évangélique a la prière, il a gagné toute bagarre dans main bon Dieu. Si bagarre la pas arrivé, c'est Satan qui est responsable. Donc, m'ba jam responsable. M'ba jam prend exemple ça. Supposez un protestant marié et que bon, il a trouvé le bon rapport extra-conjugal, un rapport adultérin. Il va responsable. C'est Satan qui fait ça. Tout le monde tombe la prière. Mes amis, un tel tombe dans Satan. Donc, c'est tout ça. Et par intégrité intellectuelle, me dit que gagne trois mérites que faut accorder. Dans le bilan qu'on a fait des églises protestantes en Haïti. Premier, c'est que yo bail des écoles. Yo bail des écoles. Collège Bird, c'est l'école protestante historiquement. Collège Pratique du Nord, dans le Nord. Collège Christois, le Centre Silo et d'autres écoles comme ça. Les églises adventistes, Dikini, Bampil. Ça, c'est le premier bon bagay. Deuxième bon bagay, c'est que, qu'on le veuille ou non, l'église protestante a été recevoir pour mandat d'abord dans les roi Henri Christophe dans le Nord et ensuite dans mes pétion pour yoter relever les mœurs du peuple haïtien, pour yoter venir civiliser. Dans ce sens, ça a contribué à relever niveau moral du peuple haïtien. Troisièmement, il est très impliqué dans l'affaire charité, œuvre de charité. Mais ça a un effet pervers parce que à force de bail mon nan sinistré, bail mon nan manger, bail mon nan rad, bail mon nan pépé, à force de aider pour lui voyer ti monni l'école ou vinn pa jam aider li développer un sens d'autonomie, ça que anglais ta parlé un empowerment, ou vinn pa jam aider le comprendre que le ka aider tête li, si bien que même œuvre de charité ça yo qui au début te gon bonne intention li vinn fini par induire un comportement de résignation. Et me conclut dans tout ça,
c'est vraiment une œuvre de zombification et d'aliénation. Alors justement, nous allons arriver dans le thème de zombification. Et on fait bilan, on présente des points positifs. Mm-hmm. Et le thème même de l'ouvrage, il traduit un certain échec. Mm-hmm. Et puisqu'on parlait de zombification, et sûr et certain, dans le contact, étant haïtien d'abord, et dans le contact avec le monde vaudouin, dans le cadre de recherche qu'on a fait et pour l'ouvrage, on connaît très bien et le mot et zombification, la connotation négative qui est rapportée et attachée avec lui-même. Ah, tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que. Un journaliste très intelligent, on comprend qu'on titre son perspective, pas vrai? Ou même comme journaliste, ou annonce son manchette, son perspective. C'est en direction que ou baille un événement. Mais bien sûr, vaudoulogue, pas vrai? On connaît comment yo associe à tort ou à raison le phénomène de la zombification au vaudou. Et ça, quand même, dit au tort ou à raison, parce que c'est pas unanime, ça. Qui ça ont zombié, sont monde qui dépouillé de essence, ils sont monde qui dépouillé de volonté les qui au service dans l'autre que amener tant qu'on égaré en esclave. Et bien c'est exactement ça que le protestantisme fait. Il faut égarer puis il dit écoutez entendre Jésus. Non, c'est l'autre dit protestantisme là, mais que tes spectateurs bien comprennent de qui ça n'a parlé et les églises et protestantes en eux-mêmes et de qui sont englobées avec ça. Les églises protestantes, c'est les églises qui issues d'un mouvement de réforme que un théologien allemand du nom de Martin Luther t'es provoqué un 31 octobre 1517. Et ça que fait d'entrée de jeu, dans le livre là, me dit ah, période 2016-2017 là, le ramener en double anniversaire parce que c'est date 200e anniversaire de l'entrée officielle des églises protestantes en Haïti, mais c'est en même temps le 500e anniversaire de la réforme protestante de laquelle réformes sont issues. Les églises réformées, les églises évangéliques plus tard. Alors, qu'est-ce que ça réforme dans nous remontons à 500 ans, 31 octobre 1517. Nous sommes dans la ville de Wittenberg en Allemagne. Nous avons un prêtre catholique, docteur en théologie, que relé Martin Luther, qui réalisait que pratique qui gagnait dans l'église catholique, alors pas conforme à l'esprit Nouveau Testament, à l'esprit évangélique, et que faut nous changer ça. Pas d'accord avec lui, il a excommunié lui, et puisque il est retrouvé en dehors de l'église, sans que le pape voulait, autour de lui, il y a un mouvement de croyants chrétiens qui dit ah, moi-même non plus, nous pas retrouvé nous dans ce qu'a fait dans l'église catholique. Faut nous réformer l'église là. D'où les églises réformées, d'où l'expression les églises réformées. Mais à l'intérieur des églises réformées, viennent gagner d'autres mouvements internes qui viennent faire gagner plusieurs dénominations protestantes. Et puisque nous, ces historiens, avons expliqué dans quel contexte le mot protestant vient fait et qui pourra le définir les églises issues de la réforme, nous sommes en avril 1529. L'empereur est convoqué moun ki di au style catholique et moun ki di au style protestant pour que yo capable établir un modus vivendi en façon pour yo vivre parce que te kon gran pile guerre civile telle ville qui déclarait tête li catholique en guerre avec telle autre ville qui déclarait tête li issue de la réforme était toujours un principe dans l'histoire de l'Empire romain, que relé cuius regio eius religio en latin. Ça signifie que si souverain en territoire, c'est catholique, tout peuple est censé catholique. Tandis que si souverain en territoire réformé, toute population supposée identifiée à la foi réformée. Or, empereur, c'est un monde qui était très catholique. Et puis, contrairement à principe ça, que il était soumis à lui-même pendant les 12 ans que déjà réforme n'a existé, il dit désormais pas gain à faire principe si on souverain identifié à la réforme de l'Iter, peuple y a reconnu comme réformé, non.
c'est désormais le catholicisme qui a pas gain prééminence. Et alors théologiens et souverains qui ont même pour des raisons politiques, pour des raisons économiques, t'ai identifié à la réforme de Martin Luther, ils ont campé, ils ont dit nous protestons. Alors protestant au sens latin, protestari signifie témoigner pour. En réalité, ce qu'on est en train de faire là, sûrement des mots faits là, je proteste en latin. Ça veut dire tu me demandes de témoigner pour. Et un petit peu plus haut, Rio, leur dit nous protestons, depuis leur ça aurait Léo, ah les protestataires, les protestants. Et c'est ainsi donc que, à partir de cette date, 1529, avril 1529, lors de la rencontre qu'on appelle la diète de Speyer, parce que rencontre ça, que aurait l'on diète, on rencontre de représentants empire là, il était fait dans ville allemande aurait les Speyer, S-P-I-R-E. C'est là que, avril 1529, mot protestant pour aller désormais coller à l'Église qui est issue de la Réforme. Et tranquillement, il pourra quitter l'Europe et aller en Amérique. Et de l'Amérique, il pourra, n'est-ce pas, entrer pour créer la partie française de l'île de la Tortue. Parce que l'île de la Tortue fut fondée par un protestant français. Alors, donc justement, alors parler de les églises évangéliques en Haïti, donc où est justement ces églises qui sont protestants. Oui, bien sûr. Mais c'est des, lors des évangéliques, ce n'est pas seulement des protestants, mais c'est des protestants conservateurs, c'est des protestants sectaires, parce que eux-mêmes, ils sont plus blancs que blancs. L'ordre évangélique, c'est des gens qui disent « Ah oui, faut nous éviter modernité, faut nous éviter libéralisme pour nous retourner aux sources, retourner ad fontes en latin, aux sources des données du Nouveau Testament. » Et c'est ça qu'aimeraient les églises évangéliques. Donc, vous estimez que c'est justement, pour remettre en question le travail que l'Église a fait ici en Haïti, donc leur faire balance là, pour rendre compte que le bilan, pour le moins, est négatif. C'est même pas négatif, les zombifiants, les zombificateurs, les aliénants. On va montrer un bagaille. C'est ça que y aurait les une analyse systémique. L'Église toujours à l'image de milieu li, toujours à l'image de société li, mais li appelé à transformer société. C'est un fait que si m'a parlé de zombification, c'est pas seulement l'Église qui est responsable de ça. Zombification li là parce que l'État haïtien pas responsable. Lila parce que en Haïti vous avez un État corsaire. Lila parce que vous avez en Haïti un État qui quasiment absent. Parce que l'État haïtien pas répondre à grande mission ni qui consistait à mettre en place un cadre, une infrastructure pour que population joue une sécurité, pour les gagner le primum vivere, le boire, le manger. L'éducation. On va comprendre que jusqu'à présent, la majorité de l'école qui est en Haïti aux mains du secteur privé, qui sont non-sens. Bon. Maintenant, c'est défaillance l'État qui expliquait croissance l'Église évangélique. Plus l'État n'a pas offert la population en rien, il n'a pas offert de l'eau, il n'a pas offert le courant, il n'a pas offert l'école, il n'a pas offert le travail. Plus population, instinct de survie, a cherché un bagaille pour lui continuer à vivre. Que le bras le joigne quelque part. C'est ça. Dans ces églises. Alors, que lui pensait le bras le joigne, parce que le bras le joigne dans rien, c'est son illusion. On va justement venir à ce point-là, parce que nous voulons, dans la deuxième partie de l'émission, nous chita justement sur ce bilan que, ou même dans l'esprit, ou dans la tête, ou bien sur nos conceptions de questions, de choses-là, les pour le moins négatifs. Là, messieurs, nous avec Dr Jean Fils-Aimé, donc comme elle, nous avons campé le contexte dans lequel l'ouvrage a été écrit et publié, les 200 ans de zombification massive, les églises évangéliques en Haïti, le temps des bilans, mais justement dans la deuxième partie de l'émission, on va revenir en détail sur les bilans et voir l'idée qui traversait l'auteur de l'ouvrage pour conclure à cette question de zombification massive. Il était branché dans le tonnerre.
L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télépluriel, chaîne 44. Merci à nous toutes de fidélité. Nous merci d'être été branchés Télépluriel. Nous suivons Pulsation Magazine qui passe tous les jours du lundi au samedi à partir de 7h avec plusieurs rediffusions. Et bien sûr, peut-être qu'on suivez vous dans là actuellement. Et nous rappelé que invité nous dans l'émission ça, c'est Dr Jean Fils-Aimé. Dr Jean Fils-Aimé qui est auteur de plusieurs ouvrages dont 200 ans de zombification massive, les églises évangéliques en Haïti, le temps des bilans. Donc c'est ouvrage ça qui mène et comme prétexte pour venir font parler ensemble avec nous de et la religion de et phénomène zombification massive. Ça qui ça qui explique moi vimando qui ça et comment expliquer ce phénomène de zombification massive. On veut dire des Haïtiens puisque nous on a en Haïti par les églises évangéliques. C'est intéressant de voir que tout l'autre côté le protestantisme rentré d'ailleurs Max Weber montrer que l'esprit du capitalisme lui fait corps avec le protestantisme. D'ailleurs, c'est le titre de son ouvrage, L'esprit du capitalisme. Lacan et Max Weber, qui sont sociologues moments. J'étais très intrigué pour me découvrir que le discours sur Dieu en Europe, le discours sur l'argent en Europe, c'est lui-même qui propulsait, par exemple, la Suisse, c'est lui-même qui propulsait l'Américain vers le développement. L'Allemagne aussi, puisque la réforme protestante très rapidement est adoptée par l'Angleterre, et bien l'anglicanisme très rapidement, grâce à Calvin, il était adopté, n'est-ce pas, en Suisse, etc. Mais en Haïti, il produit l'effet contraire. Ah, mais nous avons un problème là. Donc il faut m'intéresser pour me dire, ah, peut-être que c'est le méta-récit, ça n'est dans les sciences humaines et en philosophie, méta-récit. Et tout petit, on dit que les produits, l'effet contraire, c'est-à-dire au lieu que l'y accompagner le développement, il fait l'inverse. Il fait l'inverse, il produit le mal développement. Mais est-ce que c'est l'Église qui est responsable? Ah, qui s'en serait responsable? Mais tout à l'heure, on a dit dans le premier bloc émission que l'on fait une analyse systémique, on ne peut pas mettre uniquement sous d'autres entités, bagaille qui relevait en réalité de plusieurs entités. Mais écoutez-moi bien. Mais c'est presque là où nous sommes là. Oui, mais c'est là où nous sommes. Eh bien, lorsqu'on fait une analyse systémique, ou bien ça aurait des alliés objectifs. Écoutez-moi bien. Plus l'État irresponsable, et c'est le cas en Haïti, nous avons un État bandit. Les gens d'État en Haïti, ils ont détourné l'argent de l'État impunément. Ça veut dire l'argent que tu as au service de la population pour aider au développement, ils mettent dans la poche. Plus ils font ça, plus la population vient retrouver le sans filet. Il n'y a pas gagné l'école. Comment imaginons après 200 ans d'indépendance, 200 ans d'existence en tant que, enfin, république, pas toujours, mais en tant que pays, on nous dit le comme ça, nous style gagnons plus de monde qui pas connu que de monde qui connu. Bon, statistiques varient, parfois on dit 65, parfois on dit 62. Mais le fait est que la majorité pas connu. OK. Ou imaginons, écoutez bien ça, selon dernière statistique Banque mondiale que m'ai consulté dans le cadre de rédaction livre ça, gain 78% monde en Haïti qui vivent au seuil de la pauvreté avec moins de 2 dollars américains par jour. Et gain 56 personnes qui vivent au seuil de la pauvreté extrême. Ça veut dire avec moins de 1 dollar par jour. Donc, c'est que l'État haïtien n'a pas rempli aucune grande mission de l'État, les grandes fonctions régaliennes de l'État. Pour les gens qui étudient en histoire, d'ailleurs, ils font parler de ça. La naissance de l'État, c'est l'idée à voir, oui, avec la Renaissance et la réforme. Donc, plus l'État n'a pas rien, la population, il faut continuer à vivre. Il est obligé à chercher filet social. Il est obligé à chercher, n'est-ce pas, d'autres explications. Parce qu'horizon horizon le boucher. Sous bien regarder. Pour mal non match football, le gagne me paye. Bon, quasiment pas de cinéma encore. Seul lieu qui continuerait été gratuit, entre guillemets, puisque monsieur pasteur, en pile là, il vend nous l'évangile, vend nous la prière, a fait shalom, nous qu'on va là, faut dire la vérité, pas vrai? Seul lieu qui vient rester, qui tentait bailler une explication sous souffrance et qui tentait aider à comprendre leur rapport au monde, leur rapport à l'espace, ça que les en allemand la Weltanschauung, c'est l'Église.
écoutez bien, ou songez, mm-hmm. parti du mm-hmm. constat, l'État avec l'Église vient des alliés objectifs. Moins l'État baille service à la population, c'est plus, l'Église, oui, plus champ était libre. Mm-hmm. Or, la nature ayant horreur du vide, l'Église vient à essayer, parce qu'elle va remplir le vrai, remplir maladroitement espace que l'État a dû remplir. Par exemple, l'État a dû créer conditions pour que les gens vivent en Haïti. Puisque le papa est libre, l'Église dit, mon cher, vient un jeune de délivrance, bon Dieu a bon visa. Donc, l'Église vient, ils allié objectif de l'absence de l'État. L'État pas bon condition pour joindre manger. L'Église d'où vient la prière Jésus, Jésus va voyer corps au bois. C'est radote. Hein? Mais est-ce que, oui. avant que alors, vous demandez, est-ce que c'est seule l'Église qui est responsable? Non, mais mm-hmm. l'Église vient, ils ont allié objectif par la force des choses, de la faiblesse et de l'absence de l'État haïtien. Voilà ce que je voulais dire. Uh-huh. Est-ce que ce discours véhiculé, c'est-à-dire, bon Dieu, qu'a bon visa, bon Dieu, qu'a bon manger, bon Dieu, qu'a délivré, bon Dieu, qu'a délivré, uh-huh. est-ce que c'est pas une façon, capable de dire mauvaise, de recevoir le message véhiculé par les hommes religieux? Est-ce que ce n'est pas la mauvaise manière de recevoir? C'est avec, que... bien entendu, les défaillances ou bien toutes les déficiences intellectuelles et mounir dans la grande majorité. Mais nous parlons. Parce qu'au songer, partant du principe que l'Église toujours à l'image de société, même si l'appelé a changé, parce que l'Église, d'une certaine manière, son caisse de résonance de milieu côté n'a pas évolué, mm-hmm. même si la plaie a changé. En Haïti, précisément parce que l'État n'a pas offert rien, l'Église tentait de répondre à ça. Si bien que, ça c'est très important de le dire, ça fait moi le dire que l'Église font œuvre de zombification, l'Église n'a pas montré maintenant que manger trois fois par jour, son bagage normal lié, je n'ai pas besoin de demander Jésus pour le bamouel, d'autant que Jésus n'est pas bamouel. Habiter côté ma vive là, et transformer le pour le bon pour moi, son bagage normal lié. Mon normal, c'est qu'on soit vivant. Je n'ai pas besoin de demander Jésus pour le bon. Moi, je pour le si bien demander Jésus pour le bon. Mon visa pour mal, n'importe côté, sauf ici. À force de vendre illusion ça, à force de vendre ça, à force de vendre vue de l'esprit ça, yo, parce que si vous bien regardez, pour date, on a fait 6 pour 6, on a fait 12 pour 12, on a fait 40 jours de jeûne, mais il faut que tout le monde ait un jeûne visa dans le nom de Jésus, il faut que tout le monde ait un délivré. Or, chaque ton film délivré, Jésus, bon, y a un repas par jour, l'on joigne ni, ou obligé de retourner. Donc, elle n'a pas jamais marché. Est-ce que, oui. Est-ce que là, donc, finalement, je viens zombifier. Est-ce que ça, c'est le discours de l'Église ou de certains hommes d'Église qui gagnent des objectifs bien précis? Tu as l'air de parler de monde qui est entré. En Haïti, il y a un pile de monde qui a dit, et sous besoin font business, qui a marché, qui a fait l'Église. Mais le fait que y ait critique qui a porté sous lui, est-ce que moi obligé, ou est tout le monde qui fait l'Église, c'est le monde qui a fait business? Non. Mais voilà ce que je veux dire. Est-ce que ce message véhiculé par certains dirigeants, par certains hommes d'Église, hommes religieux, c'est, est-ce qu'on ne peut pas confondre avec le message en lui-même de l'Église? Non. Sous bien gardé. Comme les bagages me fait, on commence à montrer, mais qui ça qui historiquement est caractérisé l'Église protestante. Et pourtant, le livre Haïti, il vient perverti. Mais on est d'accord avec moi, Dodley, on vit ici, on même venu ici comme chercheur, mais on même vit en permanence. On est d'accord que samedi, là, affaire de Jésus qui a délivré, Jésus qui a baillé visage, Jésus qui a baillé mariage, hein, Jésus baillé tout le bagage, je ne l'invente pas. Oui, on va inventer, mais ça me par contre, raison. Écoutez, oui, voilà, ça ne signifie que tout le monde la donne, c'est jamais comme ça. Mais échantillon ça, que je considère, il est tellement pas l'effort que le vin a un impact. Est-ce qu'on connaît que yo évalué statistiquement quantité haïtien qui dans l'église protestante le dimanche à peut-être 52% de la population haïtienne? Ça veut dire que le peuple a commencé à détourner de toute l'autre bagaille vers l'église protestante. Pour qui ça? Faut poser tête tout ça, parce que l'église protestante non, d'abord les vino font lieu de défoulement, parce que nous avons l'esprit béni soit l'Éternel, son lieu côté que mon n'a perdu inhibition, les sociologiquement on peut comprendre ça. Mais c'est que c'est aussi une drogue, l'opium du peuple de Karl Marx. C'est que pendant là, pendant on cherche délivrance, oubliez vraiment son grand goût, parce que pasteur Amando pour jeûner. Pendant on cherche délivrance pour Jésus bon visa, oubliez, dit mais écoutez, je ne suis pas obligé de quitter le pays pour mon Dieu bénir. Si le
pays en vient tellement difficile que je ne peux pas vivre là-dedans. Il y a des gens qui sont responsables, c'est l'État. Mm-hmm. Parce que l'île paye pour ça, il sollicite votre main pour le faire. Mais puisque je dis Jésus qui a aidé à changer la situation, ça, je ne viens pas rendre l'État responsable. Donc, c'est ça que je veux dire. Au fond, les églises évangéliques, dans la perversion yo, de message évangélique, là, yo viennent maquerel pour l'État haïtien. Yo viennent tant que protéger l'État haïtien parce que tout le temps il y a pour offrir illusion que vin délivrer ben, qui pas jamais arrivé. Moi m'insister chaque temps dit délivrer. Écoutez, 12 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, 6 pour 6, c'est bagage ça été machin Haïti ta pays qui développé et pourtant c'est un pays qui pauvre, c'est que discours ça c'est gargote, il pas marché. Il faut dire après 200 ans faut dire c'est gargote yo yé affaire de Shalom pour exemple avec vous. Une sœur moi, demi-sœur moi qui jusqu'à il y a 2 mois t'a vivre Haïti qui heureusement jodi en Floride. Il est infirmière. On dit heureusement, il est en Floride. Oui, je vais expliquer pourquoi. Oui, parce que même, on ne va pas être nous mentir. L'homme besoin docteur, n'est qui a payé à côté de l'allée. L'homme besoin d'un courant. Mon cher, il y a des choses qui frappent comme ça. À chaque fois que je viens à Haïti, l'or d'un courant son événement. Oui, oui. Je me déplace, c'est touchant. Moi, je loge à l'hôtel, je me déplace à l'hôtel avec quelques parents à la caillou. Et puis, l'homme paraît des gens admirables. Hein? Le parquet dit où nous gênons, recevons dans fait noir, yo te fait bail courant là, l'gain ta aller. Pendant là 30 minutes après yo bail li. Tout le monde dit ouais yo bail li. Mais dans pays normal, c'est blackout qui t'a doué événement. Donc nous pas environnement normal. Donc c'est normal oui. Donc pendant pas environnement normal là. Nous environnement délétère et mortifère. Donc hein? C'est normal que moun nan li exprimer besoin que l'gain, pas forcément c'est l'église qui dit pour l'exprimer besoin ça. Pas que vous comprenez non. Li gain problème courant. Il y a un problème manger, il y a un problème et caille. On se dit tout à l'heure que demi-sœur voyager. Mais on va quitter puis raconter ça non, on va voir pour samedi heureusement. L'infirmière, elle a appelé des gain vent fait mal. Comme il était qu'on marcher dans l'église Shalom mais on me dit un problème à Shalom. Non, on pas un problème pas du tout. Pour moi-même, j'aborde ces églises là avec les yeux d'un parce qu'il n'y a pas que de la religion même prendre m'dé ca parler dans le vide même concrétiser parce que l'on font recherche faut enraciner m'dé ca écrire livre là uniquement sur Shalom dans le sens que c'est un type entendez-moi ils sont type représentatif forcément des églises évangéliques parce que c'est un empire gros il est tellement représentatif que l'on n'est pas fait politique faut là tout candidat yo que me suivre le matin il était candidat il est passé là Jude Célestin passé là Moïse Jean Charles passé là oui non, mais voilà mais au gain dollar on parle comment le gain dollar tout il passé le vent il va oui voilà OK mais aura et dollar maintenant seulement à l'ouest pasteur qui sont mécompréhension qui sont méprise de la théologie protestante et dit le prier pour moi normalement pasteur pas plus placé pour le prier pour moi que moi pour me prier pour lui puisque c'est le sacerdoce universel. Pasteur a dit, le poté tant comme ben moi, m'a prié pour. Il dégage le comète Jean-Jacques, le poté comme là pour pasteur. Le pasteur, il fait une poté comme là pour pasteur. Quand ça pasteur a fait, pasteur a remarché trois roches dans la cour. Il baille l'île, il fait le fond du thé et il dit, allez, wap guéri. Depuis chaque temps que je raconte l'histoire, ça a mounio, dit naïvement, qui s'écrivait, mais qui s'en voulait écrire depuis qu'il a roche guéri. Donc c'est dans ce sens que je me dis, ne serait-ce que pour le prendre soin de tête médicalement. C'est heureusement que ça la vie aux États-Unis. Ouais. Maintenant, on nous retourne. Ou dit, et j'aime ton raisonnement, Dodley. Ou dit, bon, mon n'a pas gain courant, il n'a pas gain de l'eau, il n'a pas gain manger. Qui s'en voulait le fait? L'église pour mettre l'entrée là, good. L'église pour mettre l'entrée. Pendant que l'église, la prière. Parce que, qui ça? Prière, qui ça lié? La prière, c'est pour adresser avec un être suprême, pour, soit pour remercier, soit pour demander nos bagages. Mais si ça va gagner, ça va demander la soubaga qu'on va gagner. Donc, forcément, si c'est manger ou pas gagner, on va demander pour les deux jeunes manger. Mais. Pas pour vous et la main, parce que la main n'a pas tombé. Mais nous imaginez discours en l'autre genre, et c'est ça demander. On y va. Supposez que le monde n'a entré l'église là pour lui demander Jésus, pour Jésus bal manger, pour Jésus bal de l'eau, pour Jésus bal l'argent pour le voir petite l'école, pasteur a te dit non. Jésus déjà mettait autour de nous tout ça nous besoin pour nous vivre. Jésus déjà bail nous intelligence déjà
pour nous transformer l'environnement de manière à ce que le vie vivable pour nous. Si nous pas joindre manger à Jésus pas responsable encore, gardez autour de vous ou après l'autre monde qui recevra mandat pour yoter rendre environnement plus vivable, yo pas rempli mandat yo, connaissez yo même pour nous tenir responsable. Nous pas besoin bifier encore. Parce que plus, est-ce que vous entendez? Nous disons nous seulement imaginer si tu avances à discours. Mais ça se fait. Mais ça se fait justement. Oui, mais ça se fait. Peut-être est-ce que est-ce que ça se fait de manière échelle? Si à, en échelle qui est tellement sensible, parce que s'il était fait vrai, 200 ans plus tard, mon bon ami Dudley, nous taperons l'autre bilan. Or, à part trois éléments ça yo, que mentionnons dans le bilan des églises protestantes, mettez n'importe qui en garde au défi qu'a gardé là de prouver qu'en dehors de quelques écoles, qu'en dehors de Santa Varela, un relèvement des mœurs, qu'en dehors de quelques œuvres de charité qui viennent finir par produire des effets pervers, dîme qui l'autre bagarre ou qu'a inscrit au bilan positif des églises protestantes. On va essayer de faire un autre raisonnement, on va essayer de raisonner à partir de l'autre et point de départ chez là. On dit que, et si il n'y avait pas eu les églises pour justement combler une partie du vide en matière de l'école, manger, et est-ce que la situation n'aurait pas été pire? Vous pensez le cas pire que Jean Lier? Aidez-moi comprendre. Aidez-moi comprendre dans qui sens c'est pire quand 78% peuple moins à vivre avec moins que 2 dollars. Aidez-moi comprendre comment ça va pire quand 56% vivent avec moins de 1 dollar. Aidez-moi comprendre comment ça va pire que 65% d'entre nous pas qu'on lit. Aidez-moi comprendre comment ça va pire que autour de 70 à 80% dans nos travail. Aidez-moi comprendre comment ça va pire que 60% de budget me sorti à l'étranger. Aidez-moi comprendre comment ça va pire que chaque nègre qui député, chaque nègre qui président, chaque nègre qui sénateur rapidement est riche. Aidez-moi comprendre. M'a pas aidé à comprendre peut-être avec une seule question. Alors, est-ce que tu vas dire que l'église et des situations pas empirées? Je ne suis pas en train de faire le procès de l'église. Moi, mais on ne peut pas faire apologie. Bah non, pas du tout. Voilà, pas du tout. Ce n'est pas mon intention. Voilà. D'accord. En fait, moi, tu n'as pas demandé. Mais moi, je m'en fais procès. Ah, ça, ah, bien sûr. C'est le propos de cet ouvrage. Est-ce que, d'après vous-même, nous n'en font gouflant? Oui, mais utiliser deux expressions, deux mots. Est-ce que d'après vous-même, nous avons la pire situation que nous sommes capables de pas jamais connaître? C'est-à-dire nous toucher le fond? Vous pensez ça? Il y a le bas fond. mais sans cette question-là, même, on nous compte que le pas ascendante, cobla descendante. Ah oui? Ah bien voilà. Oui, cobla descendante. Ce n'est pas monter, non, on a monté. C'est descendre, on a descendre. Et, on dit, en même temps, l'Église part. La seule responsable, l'église évangélique, yo, yo complice de mal développement ça. Dans le sens que discours yo bay là, son discours la prière, Jésus a bay délivrance, puis on nous fait bilan pour date n'a fait délivrance, qui moun qui délivré? Donc ça, majorité moun yo style en pantoufle, majorité moun yo style à manger, yon fois de temps en temps. Parce que Jésus pas bay manger mettre là, Jésus pas bay visage, Jésus pas bay madame. Donc ce c'est où bay tête au lit. Donc ce que vous proposez, ce que je propose c'est qu'on change ce discours. C'est que nous montrer mon nan que non, désormais lors d'une église, suspend vinn mande Jésus pour le bon manger, suspend vinn mande Jésus pour le bay visa. Parce que tout ça pour Jésus te mettait déjà. Jésus étant ici en figure, pas vrai. Tout ça pour Jésus te bail déjà, li bali, tout bagaille que nous besoin exister dans l'univers. D'ailleurs, la Bible dit avant bon Dieu créer l'homme, il préparait la terre pour. Elle dit, les comptes ont besoin de préparer. Moi, je compte qu'ils sont créationnistes, mais on verra. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas, ça le débat, même sans penser aux teintés de versets, ce qui est bien, ils sont culture liés. Maintenant, oui, à nous prendre métaphore, ça, c'est que tout ça nous nous-mêmes, à nous dire le consapito. Puisque nous sommes des enfants de la nature, nous nourrissons de ça dans la nature. En sorte que nous émerger dans la nature, tu es déjà gagné dans la nature, tout ça nous besoin. Comment nous dit, dit la même chose que vous, mais autrement. Oui. Parce que je ne veux pas expliquer la vie par verset. Il faut nous sauter dans le paradigme. Ça. Chaque fois que j'excite mon verset, je me dis, on nous comprend non l'autre gens. Non, même pas si elle a tapé sans tout. Non, pas du tout. Je suis un théologien. Pasteur, non, attention. Je suis pasteur, mais je suis aussi un théologien. Ça veut dire un monde qui
qui pense le discours sur Dieu. Et me dit, le discours sur Dieu que vous véhiculez nous en Haïti, il est délétère, il est mortifère. Mm-hmm. Maintenant. Donc, vous voulez qu'on change de discours. Oui, bien sûr. Et justement, on saisit bien. Nous avons dit que l'homme rentre à l'église pour pasteur a dit, suspend, embêter Jésus. Bon, je provoque. Bien, Jésus en brique, suspend la merde de Jésus. Il y avait un pasteur à Boston du nom de Verdieu Laroche, qui dit, mon Dieu, Jésus en brique. Il vient prier toute la journée. Puis c'est sérieux ça, c'est vrai. Suspendre rentrer l'église là pour demander Jésus pour le bail nous pain. Sous bien regarder, les églises essaient de combler les besoins primaires avec Jésus, manger, boire. Okay. Suspendre. Ça pour nous faire au contraire, c'est tenir l'État responsable pour lui mettre en place infrastructure, pour lui mettre en place cadre, pour lui mettre en place, n'est-ce pas, superstructure, capable de faire que désormais, je vais à l'étranger pour me visiter, je vais à l'étranger pour m'étudier, mais je vais tout parce que le pays n'est aussi béni qu'on l'autre. Tout un pasteur n'a pas dit ça. Mais avant, non, Jésus qui baille visa, il y a Jésus qui baille mariage. Si vous prenez un exemple, il va tourner. Non? Si vous prenez un exemple, il va tourner. Non, mais. Le me dit ça, l'État dont je parle et duquel les églises sont un allié objectif, ce n'est pas l'État d'aujourd'hui. Je suis parti en 88, mais déjà, c'était un État corsaire. Le détournement, enfin, les détournements de fonds publics, ce n'est pas seulement Martelly qui fait, Ce n'est pas seulement mon qui a entouré Jovenel qui a fait. Vous comprenez pourquoi ça nous a déjà prédit la voie arrivée? Parce que l'État n'a pas puni les gens qui commettent crime ça. Nous vivons dans un état permanent d'impunité. En sorte que le Haïtien dit, ah, mon cher Dodley est un homme intelligent. Il référait à une intelligence livresque. Il est intelligent, il a été à l'école, il est articulé, ce qui est ton cas. Mais le Haïtien dit, intelligent! Oui, donc c'est deux mains différents. Ça... Il allait dans le sens de. En fraudeur, dans rusé, dans fin finot. Oh, c'est exactement. Dans malice, bouki acti malice. Oh, qui ça gagne? Nous encourager comportement intelligent. Martelly était en faillite avant de prendre pouvoir, et puis maintenant, il prend pouvoir. Rapidement, il est multimillionnaire. Pas de monde qui pose cette question. Tout environnement, mais pas de monde qui pose cette question. On est député, le sénateur, waouh! Quelques temps après, il y a 2-3 buildings qui sont en location, waouh! Pas de monde qui pose. Mais. Ou pas qu'à développer comme ça. Ou pas qu'à développer dans l'impunité. Donc finalement, tant pour l'église, tu as dénoncé bagay ça. Pour dire mon yo, ça fait que nous obligeons à venir embêter Jésus pour ça. C'est parce que nous avons un état corsaire qui par rempli mission. Nous continuons à vendre une illusion que Jésus cabale tout bagay. Donc qui ça le fait? L'oublier que l'État vole l'argent, il vient demander Jésus. Et puis Jésus pas bah rien, non mettre là. Ouais, pour ça. Après 200 ans, Jésus pas bah rien. Ouais, pour ça nous faire et qu'on fait. Nous devons faire pour n'importe qui l'autre et structure. C'est ce qu'on appelle une analyse systémique. Et me dit dans le livre là, me dit la plupart des propos que me tenir pour l'église là, me qu'à tenir les pour n'importe l'autre entité de l'État. Aucune raison. Mais c'est pas parce que me t'ai qu'à dire pour n'importe l'autre entité de l'État que me pas qu'à dire pour l'église tout parce que bon montre. Me fait ça, l'on a pensé nier syllogisme en philosophie. Tout moun kap étudier supposé gon plume, pas vrai? Mais on moun ka gen plume sans que le pap étudier. Ou d'accord avec? C'est pas parce que yon moun ka gen plume sans que le pap étudier que le fait que yon moun kap étudier doit gen plume vin vrai. M'a pas appliqué. C'est pas parce que la plupart de samedi là m'applique à l'église, n'dé ka appliqué à l'autre institution tout. Que ça empêche m'appliquer vraiment à l'église. Parce que les collègues, c'est l'analyse systémique. C'est l'analyse de toute façon. Alors, moi, maintenant, on que prend une conversation moi-même avec toi, m'a pris l'émission. Mais on inspire, moi, d'autres. C'est un bel homme, mesdames, messieurs. Oui, alors, docteur Fizeme, on a retourné dans le discours là. Donc, ce changement de discours, vous pensez que. Le temps et le de bon ton que nous touchons d'abord les hommes d'église pour nous rendre nos contacts. Parce qu'ils ont une influence. Le peuple haïtien est pathologiquement religieux. Dans l'observation de l'haïtien, il y a trois bagailles qui consomment follement. Le sport, moi-même, peut-être seul haïtien
qui pas jamais fin gardon match football. En réalité, je dis ça à ma honte, m'pas même qu'on l'on jouait au jeu. Mm-hmm. Et pourtant, je quitte Haïti, j'avais 19 ans, mais ça n'a jamais intéressé. Mais dans ce sens, parce que tout Haïtien, c'est grave, les glabli, il gagne la mort pour dire oh, Ronaldo, Bebeto, s'en fout pour moi-même. Premier bagaille. Deuxième bagaille, Haïtien consomme en pile, c'est la politique. Tout nègre, parce que écoutez, toujours continue nouvelle politique. Et troisième bagaille, qui peut être venu avant ou tout, c'est qui ça? C'est religion. Mm-hmm. Parce que, et si vous bien regardez, tous les trois participent de même désir là pour changer vie. Sport, il faut oublier la réalité. Hein? Mm-hmm. Ils sont drogue, pas vrai? Je dis qu'ils sont mauvais drogue. Non, ils mm-hmm. sont façon pour évader ou. De toute façon, de toute façon. Mais trop, la problématique. Ils sont les qui tuent tête li parce que le Brésil t'a perdu. C'est grave ça. Mm-hmm. Okay. Deuxième bagarre, c'est politique. Là encore, c'est pour changer la situation parce que vous venez nous compte que façon pour faire comme plus rapide et plus vite, politique. C'est en politique. Garder députés ou garder ces nègres qu'on bat même qu'on lit. C'est grave ça. Hein? Et politique. Et sous ménage, on a n'importe directrice, regardez affaire dame qui était directrice, bah là, on a obligé de camper, mais il faut nous dire tout. Parce que c'est terrible, ouais. C'est analyse systémique, là, on trouve d'autres un petit peu peur. Bon, mesdames, non, pas du tout, sauf que. Mais on va tourner rapidement, on va mettre un peu. C'est politique, là, parce que c'est une façon rapide pour changer ville, parce que d'abord, c'est le café comme vite, mais troisième bagarre, là, c'est qui ça? C'est religion. Parce que l'effort rêver. Il faut croire que ça a changé. Mais avec le temps, l'on dit que Jésus a trois réponses, oui, non, tant. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est, ça ne veut rien dire. C'est ce qu'on appelle une phrase creuse. Parce que dans toute bagaille, soit ou ben moins, soit ou pas ben moins, soit ou dit tant. Mais si on dit que Jésus fait ça, c'est illusion. Donc, discours, ça a faut le changer. Faut nous bailler un discours qui est plus responsabilisé. Un discours qui est plus fait au prendre ou. Prend tête en main, mais suspend en bêté Jésus parce que Jésus ne change rien. Le donc, fait est qu'il ne change rien. Donc le pasteur lui, il doit être un monde qui est imprégné de. Mais qui gagne en mission, justement. Oui, absolument. C'est ce qu'on appelle la mission prophétique de l'Église. L'Église est appelée à changer le monde pour le mieux. Donc, plus nous gagnons des hommes d'Église qui imprégnés, qui gagnent. Émission ça, c'est plus ce discours que vous proposez, et qui t'a question, ce qui est normal, ce discours que vous proposez, la fait chemin. Ah ben, j'aimerais bien ça, oui, j'aimerais bien mon normal là, parce qu'en Haïti, on ne mène pas une vie normale. En Haïti, pas grand rien que normal. J'étais dernièrement avec des amis, où on me prend des exemples, qui t'a fêté l'équipe de football de 74. Qui tandis que le président, enfin le gardien de but de l'Italie, Zinedine Zidane, pas de jamais recevoir goal. Et puis nous-mêmes, nous baillons goal. Mais nous, ça, nous baillons goal. Ah ouais, quand tu football. Ah mais oui, mais je connais, mais même si je ne comprends pas, je connais comme culture. Ouais, ouais. Et puis, les gens ont fêté, c'est des amis, oui, ils ont fêté, c'est l'équipe, la vérité. Ça, puis on leur dit à la blague. Mais est-ce qu'on réalise que malgré nous, faire premier goal, là, nous avons perdu quelque chose comme 5-1. Donc, sans le vouloir, nous en sommes réduits à célébrer un échec. Mais un échec dont on se réjouit parce qu'on a marqué le premier but. Mais on a quand même perdu 5-1. Nous tellement pas gagné pour nous réjouir, nous, non, à part 1804, et puis on se masturbe sur ça. Nous tellement pas gagné pour nous réjouir, nous, de lit, que nous en sommes réduits à célébrer une défaite. On a perdu 5-1, mais on a quand même marqué le premier but. On s'en fout. En rien dans le pays, ça n'est pas normal. Il faut l'Église dénoncer. Même Jésus n'a prêché à pas normal. Il n'est pas comparable aux autres. Il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Et ces missions, ça m'a été point d'anglais. La personne qui aura à lire votre ouvrage, il ne peut pas le voir en même un monde qui foncièrement, comme s'il y a un problème avec l'Église. Il n'est pas le voir un monde qui a un problème avec le discours véhiculé dans certaines églises, pour te dire comme ça. Mon cher, sauvez-moi. Même des problèmes avec l'Église. Vous cherchez sauver, même refuser d'être sauvé. Parce que l'Église, son lieu de rassemblement qui t'a doué aider me cultiver la spiritualité. Qui t'a doué rappeler que nous ne sommes pas faits que de matière, nous sommes des êtres bidimensionnels. Autrement, nous venons d'un bêtes, même si nous avons partie d'animal en nous. Mais nous avons regardé l'Église. Il y a tellement prêché besoin primaire. Que je viens de problème avec vous. Est-ce qu'on encourage mal l'église moi-même? Ça dépend. De qui ça, par exemple?
Première fonction de l'Église, son fonction sociale. L'Église, c'est une manifestation d'un besoin religieux. Religion dérivée de religare en latin qui signifie relier. Puisque sociologiquement, nous sommes des êtres grégaires, grex gregis en latin signifie troupeau, nous aimons rassembler. Mm-hmm. L'Église qui répond a besoin ça, surtout dans le pays côté que pas rien gratuit. L'Église a besoin pour deuxième fonction, l'homme fin répond besoin de se rassembler ça. L'Église a besoin pour deuxième fonction d'élever l'âme. Pour rappeler que c'est pas seulement manger, c'est pas seulement boire, c'est pas seulement travail comme on dit au Canada, ce n'est pas seulement le métro, le boulot et le dodo, bon bagaille autre. L'Église pas rempli ça. Au contraire, elle a essayé combler besoin primaire, moins ça qu'elle va faire pour lui. Donc à la question, est-ce que je t'encourage à l'Église, tu es un grand garçon. Merci, oui. Merci, docteur Fizé. En tout cas, moi, je vais parler dans l'Église, ça, moi-même. Voilà. Oh, tout répondre. De toute façon, vous êtes non, c'est moi-même, oui. Non, je fais de la radio depuis l'âge de 15 ans. Voilà, oui. Monsieur, nous avons reçu et docteur Jean Fizeme, de grand plaisir de partager ce moment ensemble avec vous. Mm-hmm. Et je suis certain que les téléspectateurs de l'autre côté ont été retrouvés. Bon, et une partie pour vous retrouver, parce que nous abordons le sujet de manière très large. Mm-hmm. Donc, c'est un plaisir pour me passer dans le micro et pour me reçu à ton plateau. Moi, son travail professionnel, me féliciter la DG, Marie-Lucie Bonhomme, que je m'attendais du Canada étant. Et moi, on relève, ça veut dire des vieux temps comme nous qui avons mouru, pas vrai? Il laisse la place à la jeunesse, oui. Voilà, mais il faut pas se fier à l'apparence. Hein? D'accord. Merci. Voilà, madame, monsieur, merci d'avoir suivi cette émission. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.